Bonjour à tous, voici le tag Retour en enfance. Première question, en quelle année es-tu né? Alors, je suis né en 1965. Quelle BD lisais-tu dans ton enfance? Alors, Tintin et puis Lucky Luke. Quel dessin animé regardes-tu? J'aimais bien Goldorak. Et puis Satanas et Diabolo, Les Fous du Volant, Barbapapa, enfin voilà, tous les dessins animés de Collard Gold de mon enfance, Chapuis Chapeau. Ensuite, quel métier rêvais-tu de faire? Alors, écrivain. Quel a été ton premier téléphone portable? J'ai jamais eu de téléphone portable et à près de 50 ans, j'en ai toujours pas et j'en veux pas. Quelle a été la première activité sportive en club que tu as pratiquée? Le tennis. Quel personnage de dessin animé te faisait peur? J'aimais bien regarder les Scooby-Doo, il y avait toujours des fantômes, des squelettes, des vampires, bon ça ne me faisait pas trop peur, mais bon, j'aimais bien ça quoi. Donc on va dire les méchants des Scooby-Doo, ça me faisait un peu peur. Le prénom de ton tout premier amour d'enfance, c'était Isabelle. Un moment de ton enfance que tu aimerais revivre. Oui, retourner à Cedar Point dans l'Ohio aux USA. Les jeux auxquels tu jouais quand tu étais petit. Alors je jouais aux billes. Le Disney qui t'a le plus marqué. Alors étant adulte, le Roi Lion et enfant, les Aristochats. Ton héros de dessin animé favori, Goldorak. Si le génie d'Aladin te propose de faire trois vœux, ça serait quoi? Alors, avoir 1 milliard sur mon compte en banque, une grande maison avec un beau jardin, une grande piscine, et puis la faculté de voyager dans le temps. La question que tu t'es toujours posée et qui reste encore aujourd'hui sans réponse. Ah. D'où vient la poule? De l'œuf ou de la poule? Une chose que tu portais à la mode à ton époque qui est totalement rédhibitoire aujourd'hui. Alors, les cols roulés synthétiques. Porter ça, ça s'appelait des soupules à l'époque. Et il y en avait de toutes les couleurs. Et franchement, c'était. Maintenant, c'est complètement has-been, quoi. On ne voit plus ça. Voilà, c'était donc le tag retour en enfance. Au revoir à tous.